Aujourd'hui, sur le campus de la Salty Academy, on a fait une vidéo un petit peu spéciale. C'était pour les 2800 étudiants du campus de la Salty Academy qui nous avaient rejoints. On avait fait un sub-goal qui s'appelait Prank Rainbow Six. Le prank, du coup, c'est celui-là. À savoir, on est allé sur le site snowball.gg et il y a des coachs sur snowball.gg et il y a des coachs de Rainbow Six. Du coup, on s'est fait passer pour... Un petit enfant de 15 ans. Ouais. Bah avant, je jouais sur Xbox et aujourd'hui, j'ai envie de devenir Sheiko. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Remember it. Si tu as d'autres questions du coup sur les settings, ou si tu as d'autres questions en général. Non, sur les settings, non. Dac. Et t'as d'autres questions générales, on va dire. Même que ce soit sur le jeu, des trucs que tu voulais qu'on aborde, etc. Pas pour l'instant. Ok. Donc, du coup, je sais pas si tu veux qu'on aille en game pour que je vois un peu comment tu joues, parce que là, ouais. On peut aborder un sujet. Ouais, ça serait cool. Après, j'aurais peut-être des questions par rapport aux maps ou des trucs comme ça. Ouais, bah dis-moi, hein, n'hésite pas. Hein. On part en ranked ? Non, je crois qu'on on va voir. Trop de MMR différence, je sais pas, on va voir. Et toi, t'as jamais voulu devenir pro? J'aurais pu en tant que dans le coaching, mais j'ai arrêté par choix. En gros, j'ai gagné une ligue nationale. On avait avec une équipe italienne. Et après, on avait on était qualifié en Challenger League, donc qui est la deuxième division. Et j'avais eu d'autres propositions sur la deuxième division, mais c'était le moment en fait où je finissais mes études et du coup, comme je partais sur le monde professionnel, j'avais pas envie de continuer. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. User was moved to your channel. Hey. User was moved je disais ta rep. Hello. Moi, je me dis que c'est mieux de jouer peut-être à 4, même si bon, là on a joué des gens. Hein. J'essayais de me donner, mais j'arrivais pas. J'ai fait 10k. On était sur Oregon, j'ai fait spawn kill master. J'ai piqué jusqu'à temps qu'il me tue. Hein. J'ai lancé mon C4, j'ai pris un kill. Ouais. Ça flex un peu. Bah non, juste ils sont éclatés quoi. Non, je rigole. C'était pas fou. C'est moi qui bug ou le son il est pas foufou? Mon micro est pas ouf. Yep, ça s'entend un peu. Ah, sorry. T'inquiète. Ah, j'aime bien Border. Moi j'aime pas du tout mais... Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, j'aime pas le rework. Ah ouais? Les gens diamonds, that's called diamonds, VTF. Les gens savent pas jouer sur le rework. Non, ça me hit a spawn, ça. Et c'est ton seul compte celui-là? Et j'ai pas d'autre compte, non. Tu joues que sur ce compte? Bah, sur ma Xbox pour moi. Ah mais t'es joueur console? Bah ouais. Bah après ça dépend, mes parents sont séparés en fait, donc ça dépend. C'est vrai, j'ai pas de perso là-dessus. Moi non plus j'ai pas de perso, je sais pas qui jouer. J'ai que dalle. C'est au Smurf? Ouais. Toi c'est ton compte main? Ouais, mais bon je le partage avec mon père. Ah ouais, carrément. Pourquoi? Non, pour savoir. Ah. Y'a Keidune, Capcom, Aruni. Mute. Ils sont mythiques. Non, ils sont en bas. T'as pas droné le top, persuadé qu'il y en a au top parce qu'il y a des trous. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, bien vu. Mort au top. Il est mort. C'est clair le top. T'es sûr que c'est clear le top? Ah, il y a du Capcom. Ah ouais? Non, le top de la petite tour. Non, top tour. Ouais, top tour. Ah, y'en a un au fond là. Sur ping. Bon, t'as dit le top petite tour. Hein. Ouais, je sais. Ouais. Ok. Ah, il me voyait d'ici. Il est où? Au top, je crois. Il était à la trappe, du coup. À la trappe? Il est pas redescendu? Il a drop là maintenant. Le mec, mais c'est quoi ça? Toi là, t'es pareil, t'es au milieu de nulle part. Tu peux te prendre une cover avec la bombe, avec la table, avec le canapé, plutôt que de t'arrêter en plein milieu de nulle part. Ah ok. Ouais, je fais pas gaffe. Ouais, je sais. C'est pas grave. Hein. Vous organisez un truc? Non, on est en train de faire une équipe. Merci. Ouais.
Genre pour faire la Challenger League ou des trucs comme ça? Non, non, des petits tournois tranquilles. Ah ouais? Et c'est quoi le niveau? Ça fait P2 jusqu'à Jams. Ah ouais, je peux pas être prêt dedans quoi. Ça me paraît compliqué pour le moment. Ok. Vas-y, là, faut que je bosse. Ah fuck. Parfois. Oh, là où il y a le renard. Gaffe tortue, elle est là. C'est une équipe mixte? Ah bah oui. Ah non, t'as un problème contre ah non, les filles? Non, bah non, je demande. Il est fort Léon. Putain mais... Oh shit. Putain mais... Comment il peut être là? Tu l'as vu? N'hésite pas à tirer dans un mur non plus. Oh non. Mission fail. Pas Van Thatcher là? Oh c'est pas très grave, on est en... Non, donc après, il n'y a pas de standard. Ça dépend comment tu joues. C'est pour ça que R6 ça joue beaucoup à 5. Quand tu me dis solo ou duo. Bah ouais, je sais. Mais j'ai pas de potes quoi. Enfin, ouais, il y a des trucs communautaires. Ah, mon père il est sur le. Enfin, un gros Discord là. Pas trop. D'un influenceur. Ah, mais du coup, bah t'as Discord. Bah ouais, mais. Ah, avec son compte, et lui il veut pas que je l'utilise. Bah, tu peux t'en recréer. Mais c'est pas le numéro de téléphone. Pas forcément, non. Ah bon? En caverne, ouais. On peut voir un peu comment tu la joues. Ouais. Que ça arrive. Ah merde. Ah, 2 secondes, c'est ma mère. A few moments later. Tu comptes pas la jouer, caverne? Bah, je sais pas. Vu qu'on est tu garage, peux, hein? Bah, vu qu'on est garage. Bah, au contraire, garage c'est bien. La bandit c'est bien? Oui, c'est bien. Bah, après, je vais mieux. Après, si t'es caméra main, autant que. Tu joues caméra? Non? Bah, le truc, c'est qu'il me dit que c'est pas ouf. Oui, mais. T'es venu chercher quoi à ton coaching? Bah, des informations, justement. Ah, du coup, si tu veux progresser et que tu joues déjà caméra de base, comme je t'ai dit, les agents, c'est pas la plus d'importante des améliorations. Déjà, je voulais voir un peu aussi comment tu jouais sur tes agents. Et tu joues tous les jours. Parce que là, tu vas jouer un agent que tu joues jamais, du coup. Hein. Ok. Forcément, ça va pas être faux. Pas grave, il a un dernier round pour se rattraper. Yep. One eternity later. Ouais, vu qu'on est direct, tu peux prendre Kavera. Je vais le prendre, Mandy. Ouais. Let's go. Disconnected. 12 seconds later. You were moved. T'es fou en test, c'est instable, hein? Non, c'est ma co qui est dégueulasse. Ah ouais, ouais, lourd. Là, c'est pas la co qui te teste. Bah, c'est une déco, mon pote. Tu veux faire perdre du temps aux gens, tu devrais un peu préparer ton coup mieux parce que c'est un peu casse-couille, tu vois. Quoi? Quoi? T'es sourd en plus? De quoi tu parles? Je parle du fait que tu trolls un peu, tu vois, et que ton SK il a pas forcément du temps à perdre. Bah du temps à perdre, j'ai payé quand même, non? Mais c'est pas la question là, hein. Ah bon? Bah tu prends la place de gens qui voudraient vraiment progresser, tu vois. Donc oui, t'as payé, mais genre ça sert à rien. Ah ouais. Je pense un peu aux vrais gens qui veulent vraiment progresser, tu vois. Toi t'es là juste pour t'amuser, bah amuse-toi, mais va t'amuser tout seul. Prends pas du temps aux gens qui veulent aider les autres. Ça me paraît logique, hein. Parce que bon, Kavera main, t'as pas joué une fois Kavera, t'as même pas Kavera sur ton compte, tu prends les gens pour des cons, au bout d'un moment, genre ouvre les yeux et rends-toi compte que c'est nous qui nous foutons ta gueule que l'inverse, tu vois. Ok. Genre, pourquoi t'es venu ici, tout simplement, tu vois. On est toutouille, hein. Peut-être que je me trompe, hein, et que tu te fous pas de la gueule et que tu trolls pas, mais dans ce cas, bah, tu sais pas ce que tu montres, tu vois. Donc sois cohérent avec toi-même et explique-toi. Bah non, mais c'est que c'est pas mon compte, c'est tout. Ah oui, mais quand je t'ai demandé si c'était ton main, tu m'as dit que c'était ton main, faut savoir au bout d'un moment. Mon compte main, mais j'ai dit c'est celui okay, que je partage avec mon papa. Ouais. Non, je t'ai demandé si ça c'était ton compte, tu m'as dit oui. Bah, c'est celui que je partage avec mon père. Ouais, c'est celui-là du coup. Bah ouais. Bah, tu joues avec quel compte, Kavera? Bah je la joue sur Xbox. Non mais... la vie de ma mère, ça me rend ouf. Ouais, je comprends pas là. Non, mais je pense que tu te fous un peu de la gueule du monde, mais vas-y, hein. Tranquille. Un tout petit peu. C'est pas. Ok. Bah non, mais exprime-toi, on t'écoute. C'est le moment de te défendre là. Non, vas-y, je suis
pas venu là pour me faire agresser, quoi. Mais je dis pas le contraire, hein. Mais ouais, dans ce cas, pourquoi tu montes pas du tien? Ça fait 4 fois que Nessia te demande de jouer Kavera. Pourquoi tu dis juste pas que tu l'as pas, en fait, genre? Bah parce que j'ai pas fait gaffe au début, après j'ai pris Ah, t'as pas fait gaffe. Waouh. Tu savais même pas que t'avais pas Kavera sur ton compte. Il m'a dit que c'était de la merde, Kavera, je la joue pas. Oui, mais après je t'ai dit de la jouer. Ça fait 3 rounds que je te dis de la jouer. Et bizarrement, quand le dernier round où tu peux la jouer... Oh, déconnexion. Fait par ta propre main. C'est fou, ça. Bah, ok. Bah, non. Okay. Pas ok, du coup. Genre, tu sais très bien si t'as Kavera ou pas sur ce compte. Si tu le partages avec ton père et que tu joues sur PC. Bah, ouais. Et là, tu m'as dit en plus que t'étais chez ta mère, donc faut savoir. Soit si t'es chez ton père, soit t'es chez ta mère. Bah, non, je peux très bien être chez ma mère et avoir le compte de mon père, en fait, non. Ah, t'as dit que c'était le PC de ton père. Bah, ouais. Et tu joues sur PC, là, ou sur Xbox? Mais non, je joue sur PC, là. Non, t'es chez ton père. Ou t'es chez ta mère. C'est un portable. Aïe, aïe, aïe. Ah, vas-y, bah. Ça fait quand t'as transi Xbox PC? Je pense que t'es peut-être plus caméraman. Si c'était il y a un an et demi que tu jouais caméra. La transition. Peut-être tu rejoues sur Xbox. PC, mais je rejoue toujours sur Xbox en fait. Ah ouais. Je pense qu'on en tient bon les gars là. Ok, bon bah écoutez, ça sert à rien. Désolé. Bah non, mais moi y'a pas de soucis. Fais ton coaching avec Nesca. Non, bon. Moi je me taille. C'est bon, bah ça marche. Moi aussi, du coup. Bah non, mais t'es full incohérent, donc au bout d'un moment, genre... Et toi, t'es full agressive, meuf. Mais je m'en fous. Ok, bah super. Honnêtement, je m'en fous, tu vois. Bah ouais, mais... Ah, ok. Pourquoi t'as modifié ta voix? De quoi? Je te demande juste pourquoi t'as modifié ta voix. T'as Discord? Ah, non, mais la parole est utilisée parce que c'est ton papa. Vas-y, bon. Comme tu veux, hein, si tu veux pas le finir, pas de soucis. Bah, il est 15h, de toute façon, ça fait 2h. Vas-y. Bon, bah merci. Vas-y. Disconnected. Eh ben, c'est la merde. Oui, allez, tout de suite. Connected. You... Pourquoi il est là? Bah, tu veux revenir? Faut savoir, hein. Vous m'excusez, les amis? Ah. Je croyais que t'avais pas de modificateur de voix. Ok. Vous avez reconnu la voix ou pas? Non. Non, je sais pas qui t'es, mais... Okay. Moi, ouais, tu me vénères déjà. Genre, okay, vraiment. Désolé, c'était pas... Je veux pas t'agresser, mais... Ah, mais c'était plus, pas... C'est vrai que c'est ton pseudo, de bah, base. Bah oui, c'était marqué pourtant. Ok. Ah, on était plus dans une logique où on était en train de regarder justement sur snowball.gg et sur... on checkait un petit peu les personnes qui parlaient du coaching, etc. Voir si c'était worth it, quoi. C'est clairement ce qu'on appelle un prank, quoi. Je suis désolé de la tournure des choses, vraiment. Non, mais je te prie Nico, bien vouloir raison. M'excuser. Il avait raison depuis le début et il m'a grillé depuis le début et je suis désolé. C'est très bien. C'est pour ça que je t'avoue, j'ai pas fait un vrai coaching. Je sais bien, poulet. Je le sais bien. Et je t'en veux pas. Et c'était très bien. Et c'était très, très bien. Et les settings, les machins, c'était nickel et tout. Mais je sentais bien qu'il y avait une réticence. Et je suis désolé, je voulais vraiment pas qu'il y ait une quelconque agressivité ou une malveillance ou quoi que ce soit. Vraiment. Vraiment. Non, vraiment. Mais c'est moi, je suis un peu agressive aussi, désolé. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est moi qui fais le con, c'est moi qui joue au con, c'est moi qui te parle de ma mère et de mon père et de ma Xbox. J'ai même pas caméra sur ce putain de truc. J'arrivais même pas à m'en sortir et tout. Je savais pas quoi dire, quoi. Je savais pas quoi faire. Non, mais vous m'avez tellement niqué du début à la fin. J'ai fait ok, bon, alors là, je suis chez mon père. Non, mais t'es pas chez ton père. Et tu joues pas sur Xbox, espèce de gros fils de pute. Ah putain. Je préfère qu'on en rigole. Je suis désolé d'avoir pris ton temps, c'est vrai. C'était, non, c'est pas grave, c'est juste que, ouais, bah, en fait, en plus, j'ai un ancien, on va dire, pote qui m'avait dit qu'il me trollerait un jour et du coup, moi, je savais que c'était pas lui. Ah, tu pensais, ouais, ok. Je savais que c'était pas lui parce que c'est pour ça que au début, j'étais un peu absent parce que je regardais le tracker, je regardais qui c'était. J'essayais de trouver en fait. Mais je voyais bien quand t'as commencé à poser des questions sur la Xbox en disant. Ah ouais, t'es sûr depuis combien de temps et tout. Et c'est même pas mon compte, bien évidemment. Et là, mais j'ai non. Fait merde, y a même pas Kavera sur ce putain de compte. Pourquoi j'ai dit que j'étais main Kavera, quoi? Alors que c'était juste pour le mime, bien sûr, quoi. Parce que je suis déjà tombé sur des gens qui se la racontent et qui disent vraiment de la merde, quoi. Et toi, t'as pas dit de la merde. C'était vraiment. Non, vraiment, quand je te posais des petits trucs en disant, en faisant des petites questions et tout. Mais je voyais bien que t'étais pas à donf dedans. Je voyais bien. Non, j'étais pas à donf.
Je vais bien que j'étais déconnecté. Et je suis désolé, je préfère qu'on en rigole maintenant que... Non, c'est voilà, pas là, là, ça poussait trop sur la fin. Et c'est de ma faute, c'est vraiment de ma faute. J'aurais dû couper plus tôt. Mais en fait, le but, j'aurais bien voulu vous mettre un énorme clutch ou une connerie comme ça. Sur Orego, il a failli arriver. Il m'a mis un vieux pré-shot dégueulasse, l'autre, là. À ce moment, j'ai envoyé un message à Nesca. Je lui dis, bizarre le changement de gameplay. En fait, c'est nul, c'est dur de se faire passer pour un noob quand t'as des mécanismes. Mais je suis sûr qu'il joue pas comme ça, c'est sûr. Hein. Ça se voyait dans tes mais vous m'avez complètement grillé du début à la fin. Et je suis vraiment désolé. Et bien sûr, bon, le pack, tu le gardes et tout, voilà. Et le but, c'est aussi pour mettre la personne en avant, tu vois. On se disait, derrière, on peut... Parce que je sais que le mec, il avait fait... Comme ça, c'était super bien passé. Et comme il avait été assez élogieux à la fin sur le coach sur lequel il était tombé, sais que derrière, il y a beaucoup de personnes qui vont le voir, quoi. En disant, ah, j'ai vu la vidéo, ah, c'était trop cool, ah, nanana. Ah, du coup, j'aimerais bien que tu fasses la même chose que pour moi, que pour lui. Bah, mais la voix, en plus, ça s'entendait, hein. Je sais que ça fakeait, putain. Il y avait une petite voix robotique. Mais je sais, c'est trop dur. C'est vrai que c'était pas facile. Dès le début, en fait, tu sens le fake. Dès que tu les as invités, dès que tu as dit ouais, venez là, et que Soa arrive et qu'elle commence à poser les questions, un peu agressif quand même, hein. Non, mais je suis désolée, en fait, genre, ça sent tellement que c'est pourquoi bizarre. Et... Pourquoi t'aimes pas les meufs? Ah non, j'ai juste demandé s'il y avait une nana dans la line-up. Pour t'expliquer, on a joué avec des gens et ça s'est un peu mal terminé. Et je me suis dit, c'est eux, ils viennent le prank pour lui faire perdre du temps et un peu casser les couilles. Ah ouais, donc, du coup, j'étais un peu sur la défense. Je peux comprendre. Ouais, non, mais ouais, j'aurais voulu que ça se passe différemment. Et après, c'est toujours le problème, c'est toujours pareil. Ouais, hein, moi aussi, parce qu'au final, ça aurait pu être grave intéressant. C'était une très bonne idée, un très bon concept. Après, c'est vrai que en vrai, il n'y aurait pas eu la modification de la voix. Bon, après, ça se voit un peu ça se voit direct dans le gameplay, genre, etc. En fait, le truc, c'est qu'en plus, j'ai déjà eu des gens qui étaient vraiment bronze, etc. Et du coup, je sais, ça se bien sûr, en fait. Mec, moi, c'est pareil. Tu vois tout de suite une personne qui a du potentiel. Elle est capable de potentiel. Les mécaniques de Rainbow Six sont tellement ce qu'elles sont pour le coup. En deux secondes, tu vois si le mec il vient de la console et il met son crosshair placement trop bas ou il a du mal à compenser un recoil. Ça se voit tellement vite. Je savais que j'allais me faire griller. Hein. Et c'est pour ça que j'ai fait OK. Sur Orego, faut que je voulais vraiment faire une espèce d'ace ou une corée comme ça, terminer là-dessus. Et puis après dire, eh non, en fait, c'était moi. Tu vois, un truc à la con. Et puis pareil, j'avais un charme de la Salty Academy à un moment, vu que c'est le truc d'un surveillant qui l'a changé et tout. J'ai fait merde. T'as pas tilté, ça. T'as pas tilté? Moi, j'ai tilté quand j'étais tap stats et je sais que ton modo s'appelle NTO. Non! Mais ça, j'ai tilté direct. Il y avait l'historique des... Bah ouais. Mais c'est moi qui regardais parce que du coup, je pensais qu'on avait des gens en commun avec qui on jouait si t'étais un pote à nous, tu vois. Et donc, je regardais avec qui tu faisais les queues et j'étais en mode, ah ouais. Et NTO, j'ai fait, mais attends, mais NTO, mais ça me dit un truc. Et je dis, mais attends, mais c'est un modo de 6-4. Oh mais merde, et c'est pour ça moi j'étais en mode ouais mais mon père il est sur un gros Discord. Je voulais dire le Discord de la Salty Academy. Mais parce que à un moment je lui demande, tu regardes des youtubeurs? Ouais non, j'aime pas les youtubeurs français, c'est un peu des bouffons. Je fais oh putain la vache. Ils ont un peu des personnalités de merde. Oh merde. Et plus sur Twitch que sur YouTube. Moi je sais que je te regarde que sur Twitch, je te regarde pas du tout sur YouTube.